Pour les enfants du double effondrement, la cause première de la nouvelle contestation n'est pas économique, elle est respiratoire. Elle repose sur un sentiment diffus, désagréable et obsédant, une claustration. Oui, c'est cela. Une claustration pesante face à l'opinion très généralement partagée, que le monde est désormais clos et qu'il n'existe plus qu'un seul système de gestion politique, sociale et culturelle de l'humain. J'avais déjà une petite expérience en théâtre avec ma grand-mère, en Bourgogne, du coup, d'où je viens, sur le thème plus de la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Et là, le côté contemporain, c'était l'inconnu complet. Voilà. L'idée, c'est que là, on est vraiment dans une analyse et une critique de la mondialisation, d'un système économique, un mode de pensée très occidental. Un peu, entre guillemets, si je schématise, impérialiste. Voilà, c'est un peu contre ça, pour mettre en exergue les problématiques liées à ces systèmes sociaux, quoi. Tout en proposant des solutions et en amenant une dose d'espoir, en fait. Cette claustration provoque un mal étrange. Sans symptômes apparents. Un mal qui se traduit par une sensation puissante d'impuissance et qui serre le ventre, la gorge et le corps tout entier. Assez fort. C'est pour abolir ce mal que les enfants gâtés de l'Occident cherchent à reconstruire une possibilité de résistance. Alors c'est des questions que je me pose pour ma part dans ma vie de tous les jours depuis quelques temps, depuis un ou deux ans, où je suis en train d'essayer de faire évoluer mes modes de consommation, le circuit court par exemple, consommer local, etc. Donc qui est de plus en plus actif d'ailleurs en Auvergne, donc j'en profite, c'est pour ça m'a aidé dans ma démarche personnelle. Mais là du coup avec les textes de Camille de Toledo, sur lesquels se sont basés Olivier et Béatrice, c'est une approche beaucoup plus psychologique de ce qui peut se passer à l'intérieur, vraiment d'un individu au sein de cette société, et quelle peut être l'arme ou la réaction de l'individu par rapport à ces problématiques qui peuvent parfois un peu nous écraser. Si vous voulez, moi j'ai déjà réfléchi à mon échelle, mais là voilà, on est dans une autre dimension, beaucoup plus peut-être presque spirituelle et intime. Pensez à ouvrir, ne faites pas la leçon aux gens, d'accord? Ils doivent participer du même constat que vous sur ce mal-être. Donc, soyez plus légers. Ils ont su nous prendre avec douceur. En même temps, ils nous ont dit dès le départ, ils ont été très clairs sur le fait que là, on allait travailler comme des professionnels. Ils nous ont responsabilisés un peu dès le départ. Et ensuite, ça a été très progressif, une montée en puissance, en fait. Au début, il fallait bien qu'on prenne nos marques. Il a fallu qu'on slash, entre guillemets, comme on peut dire, qu'on libère tout ça, pour pouvoir commencer à entrer dans le jeu et vraiment l'interprétation. Donc ça s'est fait très progressivement, en douceur. On a commencé les premières séances un petit peu par se connaître, apprendre à découvrir les prénoms des autres, un petit peu ce qu'on faisait, on s'est présenté. Ensuite, les autres séances, on a commencé un petit peu à travailler toujours sous forme de jeu, ce qui se passe un peu dans le théâtre. On a travaillé différentes façons, enfin ce qu'elle voulait obtenir, elle, pour la suite. Et après, on a commencé à regarder le texte, à le découper entre nous. Mais l'intégration s'est très bien passée. Enfin, tout le monde est très sympathique, c'est très hétéroclite, mais ça se passe très bien. J'ai vu un petit mot de Béatrice, qui est la metteur en scène, sur Facebook. Et donc voilà, donc je m'y suis intéressée parce que je fais du théâtre à côté. Et voilà, c'est un peu par hasard, parce que je connaissais personne, ni même tiers d'ailleurs. Et en fait, ça se passe très bien et c'est très chouette. Voilà, j'habite à Thiers. Et je suis donc arrivée au spectacle, en fait. J'ai vu une petite annonce sur la montagne. J'avais vu la pièce de théâtre en fait au mois de novembre à l'usine du Mai. Donc à la fois le thème, l'esprit, le côté un peu aventure sur 6 mois. Voilà, c'était vraiment l'idéal de ce que je recherchais, quoi. Je pouvais pas rêver mieux par rapport à ce que je recherchais, quoi. C'est une très très belle aventure. Hein. On n'a pas terminé, donc on va voir, mais en tout cas c'est vraiment que du plaisir. Et ça lie à la fois on n'a pas de pression en fait. Parce qu'on intervient quand même de façon très ponctuelle, etc. Et en même temps, on touche du doigt quasiment la totalité de ce qu'est un travail sur scène. Donc c'est vraiment très plaisant, quoi. Et puis l'encadrement à la fois d'Olivier et de Béatrice sont très humains, à la fois très professionnels, et qui sont bienveillants, sans nous mettre dans une difficulté, tout en ayant un degré d'exigence important. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Partout, les cris et les hurlements de colère sonnaient comme des postures passagères.
C'est ça, lève un peu ton visage, Denis, quand tu parles. Je ne connaissais pas du tout la compagnie ATRA et le texte m'a donné envie de participer. Je l'ai lu un petit peu et j'ai participé donc à une soirée où ils se présentaient la compagnie. Et du coup, ça m'a emballée et puis voilà, je me suis inscrite aussi. C'était un peu un challenge. On est accompagné par des professionnels, ils sont exigeants, mais en même temps très attentifs à ce qu'on est comme personne. C'est des gens qui sont très généreux dans leur travail et tous les participants sont vraiment une bonne ambiance. Alors, je m'appelle Lilia, j'ai 14 ans, je suis collégienne à QC, donc je suis en 4e. Et je viens ici parce que je suis passionnée de théâtre et je voulais avoir une expérience un peu plus profonde dans le théâtre. Donc un grand spectacle avec des professionnels et apprendre la vraie vie de théâtre. Johan, je suis tiers, je suis hôtelier, j'ai fait d'autres métiers. Et du coup, j'ai un peu plus le temps en ce moment pour participer à ce genre d'aventure. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas du tout jusque-là. Après, si j'oublie 2-3 textes le jour de la représentation, ça, le trac y en a toujours un peu. Après, bon, faire en sorte qu'il soit moteur plutôt que crispant ou bloqueur, quoi. Ils ont fait un gros boulot, un gros travail. Il faut imaginer voilà, la profondeur de la salle, le nombre de spectateurs présents. Donc, ne serait-ce que simplement physiquement, projeter sa voix, articuler, savoir comment se positionner. Voilà, il y a eu beaucoup de travail fait, mais on essaye que le public ne voit pas, qu'on essaye de gommer le savoir-faire des actrices professionnelles et ceux qui ont moins d'expérience dans ce domaine-là. Alors en fait, c'est un texte qui a été cousu parmi plusieurs œuvres d'un auteur qui s'appelle Camille de Toledo, qui est un jeune auteur qui est essayiste, philosophe, poète, on va dire. Et il se trouve qu'une des obsessions de la directrice de la compagnie qui s'appelle Béatrice Chatron, c'est de faire un travail sur l'adaptation littéraire. Comment proposer de partager collectivement, on va dire, une pensée qui est normalement destinée à être lue. Donc passer du support de la lecture à comment le partager avec du spectacle vivant. Camille de Toledo, il est extrêmement intéressant puisqu'il a un peu plus d'une quarantaine d'années et qui fait un constat extrêmement précis sur une espèce de marasme dans lequel on est un peu tous plongés actuellement, une espèce de tristesse européenne et qu'il ne veut pas accepter ça, qu'il pense que nous ne sommes pas impuissants face à cette espèce de fatalité qui voudrait, voilà, qu'il n'y ait plus qu'un seul mode de gestion politique, économique, culturelle de l'humain. Et il essaie de poser un constat et de proposer une autre façon de se... Il ne donne pas des solutions en disant il faut vivre de telle façon, mais de se comporter un peu différemment par rapport au carcan qu'on nous a imposé. Il se dit, on a vécu au XXe siècle de grands affrontements, de grandes catastrophes, et que ça serait bien qu'on s'instruise un petit peu de l'histoire à un moment donné pour ne pas... En tout cas, reproduire les mêmes erreurs, c'est une évidence, mais essayer d'ouvrir un espace d'un vivre ensemble qui soit un peu plus enthousiasmant et un peu plus porteur d'avenir, d'espoir et de désir et d'envie. C'est un propos intelligent, un peu dense, un peu intellectuel, c'est clair, mais on est tous légitimes à comprendre cette pensée-là parce qu'on la vit tous les jours. Donc c'est bien de mettre sur nos mots, parfois silencieux mais qui nous font mal, une explication, un peu comme un diagnostic que pourrait nous apporter un médecin. Et à partir du moment où on sait, on a des possibilités d'envisager l'avenir. Quand on est perdu dans une espèce de vertige tourbillonnesque, dépressif, du mal-être simplement partageable par plein de gens, mais on ne sait pas mettre des mots là-dessus, on est impuissant à changer notre destin. Mesdames et messieurs, vous pouvez admirer sur votre droite le mémorial de Lolo. Yipin, il n'y a pas encore Béa. C'est juste en fait, elle est partie aux toilettes, mais quand tu montes sur le banc... C'est pas la première fois qu'on fait cette expérience-là, je crois que c'est la troisième. Et à chaque fois, on est assez étonné par l'implication des gens qui intègrent le projet, parce que ça leur demande en plus de leur vie de tous les jours d'être, vous voyez, on finit à plus de 23 heures, demain les gens recommencent à 8 heures ou 9 heures, et ce qui est super
intéressant, c'est que derrière, le théâtre en lui-même est presque un prétexte, parce que d'abord, ils se rencontrent, ils vivent une expérience artistique, mais derrière, vous imaginez bien la ramification des contacts qui se nouent et les liens qui se nouent. Et voilà, des gens qui se croisent pourtant dans la rue tous les jours, qui sont quasiment voisins pour certains, qui ne se sont jamais parlé, on change un peu, on modifie, sans aucune forme de prétention, un peu la façon de se comporter sur notre territoire. C'est-à-dire que c'est par le faire, par l'action qu'on bouge les territoires, pas forcément par les grands discours et des choses un peu qui sont pour le coup totalement utopiques mais irréalisables. Là, on est dans l'utopie qui, voilà, qui met les mains dans le cambouis. Et on y va, on se rencontre. Reste en place.